I was told that your father has had an accident. But that was the cover story told by the CIA. Novembre 1953, Frank Olson, chimiste à la solde de l'armée et de la CIA, tombe de la fenêtre de sa chambre d'hôtel autour de 2h30 du matin. Accident, suicide, assassinat ou exécution. Eric's whole life has been sucked into this terrible hole. The CIA was using LSD on people, but I think the real bad was something worse. S'inspirant d'une histoire vécue, le documentariste émérite Errol Morris signe une série documentaire fascinante et riche en rebondissements sur fond d'expériences sur le LSD à la manière de films noirs que n'aurait pas renié Brian De Palma ni Francis Ford Coppola. In this Cold War, the most dangerous weapon is information. You are the men who know the secrets. We are the men who keep the secrets. À travers cette intrigante enquête, Errol Morris tisse des liens entre la tragédie d'Hamlet en insérant des extraits du film de Laurence Olivier et la quête pathétique du fils de Frank Olson, Eric Olson, qui sacrifia toute sa vie à trouver la vérité. Alors, est-ce qu'on regarde Wormwood ou pas? Oui, et en rafale, s'il vous plaît. Petit avertissement, il y a de fortes chances que vous vous sentiez très, très méfiant, voire paranoïaque à la fin du visionnement.